scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Lorelai GoldenEye. On est parti pour faire votre tirage sentimental du mois de mai. J'espère que vous allez bien. On va voir un petit peu ce que ça nous dit avec le Golden Cloud, qui est mon oracle à base de chansons. Allez, il y en a deux qui sont tombés. Papa Outé et la fièvre. Ok, bon. A priori, on a une blessure d'abandon bien vive hein, chez vous, abandon, rejet a priori, qui est bien présente, dont il va falloir s'occuper, pardon. Et on vous parle de la fièvre de NTM, évidemment. Donc apparemment, il y a quelqu'un dans votre vie qui vous met la fièvre a priori. Bon, allez, on va voir avec l'améthyste love. Voir ce que ça donne. On peut avoir aussi dans le truc un peu moins rigolo. Moi, j'avoue que moi, quand j'ai utilisé celui-là, c'était vraiment plutôt sur l'aspect charnel parce que j'adore cette chanson. J'adore le son qu'il y a derrière et tout. Je suis quand même une amatrice de culture hip-hop, donc forcément, ça me rappelle ma jeunesse aussi, parce que oui, je suis vieille. Mais ça peut aussi vous parler de problèmes de santé. Et là, ce serait moins drôle. Donc attention à tout ce qui est maladie saisonnière, donc voilà, grippe, rhume, Covid & Co. Mais ça peut aussi vouloir dire que vous êtes à l'arrêt un petit peu pour vous reposer, pour prendre soin de vous, voilà. Bon, alors, on vous dit avec l'améthyste love que vous êtes dans une relation apparemment qui est protégée. On vous dit que c'est quelque chose qui commence doucement, gentiment, d'inattendu apparemment, qui a peut-être pris forme depuis le mois de, j'entends décembre, je ne sais pas pourquoi, mais sur l'hiver, donc décembre, janvier, février, d'accord? Ok. Ok, j'espère que vous voyez les cartes. Attendez, je vais remonter ça. Parce que... Ouais, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à cadrer correctement en ce moment. C'est n'importe quoi. Là, tous mes tirages du mois de mai, le type, c'est un peu mis n'importe comment. Ok, bon, alors. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous dit que c'est donc une relation qui est protégée, qui est guidée. On vous dit quelque chose qui commence de manière assez légère, a priori. Depuis cet hiver, on vous dit que c'est quelqu'un avec qui... Vous parlez pas trop, c'est ça qui est bizarre. Hein. Pas trop de communication. J'ai l'impression que vous interdisez de parler. Bon. Ok. Bon, on vous dit que vous avez un peu la trouille hein, quand même. En fait, vous avez la trouille de parler avec cette personne. Vous avez peur en fait que cette personne, elle vous la fasse à l'envers en fait. Bon. On vous dit que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis un petit moment maintenant. Qui revient dans votre vie, en fait. Alors, j'ai pas l'impression que c'est quelqu'un, que ce soit quelqu'un, c'est pas un ex ou une ex, c'est pas cette vibration que j'ai. Plus quelqu'un que vous connaissiez comme ça, vous voyez. On parle d'amitié sincère, mais plus, ouais, peut-être quelqu'un que vous connaissiez comme ça. Et avec qui, là, vous êtes en train, pour le coup, d'approfondir la relation. On vous dit que c'est quelqu'un qui peut vous apporter beaucoup de sagesse et beaucoup d'équilibre. Et j'entends une autre vision et on vous dit que c'est une relation qui est secrète pour le moment, qui est secrète, qui est discrète, et on vous invite à continuer comme ça. Ouais, mais c'est un lien karmique hein. C'est un lien karmique mais positif hein. On avait la protection dessus, pour moi il y a un lien d'âme dessus, mais quelque chose de doux, donc je partirais plutôt sur l'âme jumelle, comme si cette personne elle allait vous montrer que vous pouviez faire confiance en fait. J'ai l'impression qu'elle va déconstruire pas mal de trucs que sur lesquels vous aviez ancré vos connaissances, en fait. Ouais. Bon. Encore une fois, on nous parle du côté charnel et tout ça, mais on nous parle aussi attention aux maladies. Donc, attention à vous, à votre santé. Hein. On vous dit que c'est une chance, cette personne. On vous dit qu'il y a un engagement qui va arriver. On vous dit qu'il faut faire le bon choix, mais qu'il n'y a pas de raison que vous trompiez. On vous parle d'un bélier, taureau ou gémeaux, ou on vous parle peut-être d'un changement de votre relation là sur la période du printemps. Ouais. On vous dit qu'aucun des deux veut s'engager dans un truc trop vite, hein, en fait. J'entends chacun chez soi, en fait. Mais c'est quelqu'un qui va vous apporter la guérison et vous êtes hyper attirés l'un et l'autre. Hein. Ouais. Ok. Il y a une blessure d'abandon béante hein, qui est là. Hein. Et on vous parle toujours de ce lien avec la personne. Hein. Ouais. Ok, bah écoutez, c'est pas mal ça. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre?
Mais j'ai l'impression que la communication est difficile. J'ai l'impression que vous voulez pas trop parler, quoi. Vous voulez pas trop vous livrer. Vous avez... Je vous sens méfiant, les scorpions. Non, le Golden Love, pardon. Hop là. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? En même temps, j'ai l'impression que c'est pas la première fois que je vous parle de cette personne. Je parle de famille, de blessures, de retrouvailles. Ok, bon. Il se peut que cette personne vous ayez un lien de vie antérieure. Peut-être quelqu'un avec qui vous étiez dans une autre vie et que vous vous retrouvez à l'heure actuelle. On parle de blessures familiales. Bon, en même temps, avec la blessure de l'abandon, j'ai envie de vous dire... et Papa Outé, ça correspondrait bien. Est-ce que c'est aussi... est-ce que cette blessure familiale, c'est pas quelque chose qui vous permet de vous retrouver aussi? Est-ce que vous n'avez pas un passé similaire? Vous voyez? Sans être identique, mais est-ce qu'il n'y a pas... voilà, des similarités. Ah, vous êtes en pause. Si, si, la, si le scorpion est un homme... et là, je précise bien un homme, pas une énergie masculine, mais un homme. Si le scorpion là est un homme, c'est une personne qu'on a mis en pause pour le moment. Ouais. On peut dire à la personne en face de vous de faire preuve de patience. Ouais, vous allez avancer ensemble, en même temps. Ouais, il y a une réconciliation. Amitié, un mauvais état. C'est une belle relation qu'il y a là. Hein. C'est une belle, ouais. C'est une très belle relation qu'il y a là. On vous dit que c'est une relation où il va y avoir beaucoup d'amour de toute façon, partagé. Il n'y aura pas qu'un seul qui va donner. Même s'il y en a un des deux qui est appelé à la patience, parce que apparemment, j'ai l'impression que vous n'êtes pas trop prêt vous quand même. Hein. Vous êtes encore vachement dans vos peurs. Et dans votre indécision, en fait. C'est assez rigolo. Pourtant, il y a une belle osmose entre vous. Ouais, mais en fait, vous avez peur d'être manipulé, donc vous gardez le silence. Vous auriez même tendance à fuir. Ouais, vous auriez presque tendance à fuir. Ouais. Ouais. Je pense que vous avez vécu une tromperie ou quelque chose comme ça, une trahison, et ce qui fait que c'est un peu difficile pour vous de vous remettre en selle. Et en plus, s'il y a des problèmes de santé, bah forcément, disons que c'est pas que c'est pas le moment, mais disons que toutes les conditions sont pas réunies pour que vous soyez hyper au top, quoi. Ouais. Mais bon, pour moi, il y a pas de problème. Hein. Franchement, c'est une question d'un peu de temps, mais il n'y a pas de difficulté majeure, quoi, en fait, si ce n'est que bah, de prendre soin de vous, parce que bon, si vous êtes malade ou quoi, c'est pas rigolo. Il y a quand même cette blessure d'abandon qu'il va falloir gérer. Hein. On ne peut pas rester comme ça. Mais franchement, j'ai beaucoup de douceur dans votre tirage. Là, j'ai quelque chose de doux. Allez, avec l'art tarot des flammes jumelles, on va voir un peu ce que nous disent les cartes. C'est donc l'art tarot des flammes jumelles by l'oracle. J'utilise celui-là aujourd'hui et je vais utiliser ensuite à venir l'oracle du masculin. J'aime beaucoup cette créatrice d'oracle et cartomancienne de talent. Elle a sa chaîne YouTube si vous voulez aller jeter un œil. L'A-U-R-A-C-L-E, pardon, l'oracle. Vraiment, j'aime beaucoup. Allez, on a toutes les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? J'en profite pour vous dire quelques mots. La première chose, merci beaucoup à toutes les personnes qui regardent mes vidéos, que ce soit sur TikTok ou sur YouTube. Merci, 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 merci beaucoup. Je remercie encore plus toutes les personnes qui prennent le temps d'interagir, de liker, de commenter, de partager. Merci mille fois. C'est malgré tout beaucoup de travail. Et franchement, c'est un véritable encouragement d'avoir vos petits mots, vos mots gentils. Vos likes et vos partages, franchement, c'est adorable. En plus, ça peut toujours aider quelqu'un autour de vous. Donc là-dessus, je vous remercie aussi. Je remercie encore plus toutes les personnes qui s'abonnent à mes chaînes. Vraiment, merci mille fois. J'ai un petit mot particulier, un remerciement particulier à toutes les personnes pour qui j'ai fait une guidance privée. Merci pour votre confiance. C'est vraiment un honneur d'avoir fait des guidances pour vous. Je vous rappelle que je ne fais pas de guidance en présentiel. Je ne fais
que du distanciel. Donc, vous n'avez qu'à me contacter et vous n'avez pas besoin de vous déplacer à La Réunion, même si c'est une magnifique île que je vous invite à découvrir si vous ne connaissez pas. Mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez habiter n'importe où dans le monde. À partir du moment où on peut se comprendre et donc vous parlez français, et ben, ça peut le faire. Parce que je parle anglais, mais très mal, donc faire toute une guidance, ça va être compliqué. Donc voilà. Pour finir, je suis toujours disponible pour les guidances privées. N'hésitez pas à me contacter. Vous avez mes coordonnées en description ou alors à la fin dans le générique de toutes les vidéos. Et sinon, vous pouvez m'envoyer un mail à lorelaigoldeneye@gmail.com. Allez, c'est reparti. Alors, on vous dit de lâcher prise, on vous dit d'arrêter de vouloir tout contrôler. On vous parle en particulier si vous êtes un homme à énergie féminine, mais voilà, si c'est un homme en particulier, on vous dit arrêtez de vous prendre la tête, accordez-vous le pardon. Ouais, vous culpabilisez peut-être. On vous dit que il y a en fait, c'est assez drôle parce que c'est pas une reconnexion que je sens réelle, sauf si vous aviez un lien de vie antérieure. Mais moi, je vois plus une connexion qui se fait avec quelqu'un en fait. On vous dit que vous avez des signes hein, vis-à-vis de cette personne. Hein, qui vous montre le bon chemin. On vous dit que vous êtes encore dans votre introspection, donc voilà, vous avancez avec prudence, mais on vous dit aussi qu'il y a du travail à faire sur vous, donc c'est normal. Mais on vous dit que d'ici peu, vous allez... Parce que je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une rapidité quand même qui se fait, et on vous parle d'authenticité. En fait, on vous dit que vous allez être qui vous êtes pour de vrai, et vous allez enfin vous révéler. Ouais. Bon, c'est passionnel, hein, entre vous. En même temps, on avait la fièvre et on vous parle des enfants intérieurs. Pour moi, c'est quelqu'un, en fait, avec qui vous rigolez beaucoup, avec qui vous pouvez être super complice, qui a peut-être un comportement un peu enfantin par moment, mais pas enfantin, immature. Enfantin qui va rigoler de tout et n'importe quoi. Ouais. Ah, c'est joli. Bah, allez, on va aller voir avec le masculin. On va aller voir un petit peu que vous dit l'énergie masculine, a priori, en face de vous. Toujours avec l'oracle. Allez. Je sais pas pourquoi, en ce moment je galère à remuer. D'habitude ça marche plutôt bien, mais là je sais pas ce que je fais avec mes mains. On a toujours Semio qui nous accompagne hein, en musique. Je ne l'ai pas dit sur toutes les vidéos, mais c'est toujours mon son préféré du moment. Il en a sorti un nouveau là qui s'appelle Gangster, si vous voulez aller voir, qui est très très chouette aussi. Alors. Bon, on vous dit que si l'énergie masculine en face de vous, si vous êtes un homme, on vous dit que cette personne est prête. Ou que vous êtes prêt, que vous allez arrêter de vous sacrifier. Ça suffit de faire du boudin dans son coin. Arrêtez de vous taire. Exprimez-vous. De toute façon, cette personne, elle va vous faire bosser. Hein. Elle va vous faire bosser sur vous à mort. Elle va vous pousser un peu, peut-être des fois, dans vos retranchements et tout. Mais c'est quelqu'un qui va vous obliger à travailler. Et à vous exprimer, en fait. Elle va être là, elle va faire bzzzt, vous allez refermer, elle va vous casser les pieds pour que vous ouvriez votre bouche. Et on vous dit que vous êtes le magicien de votre vie, en fait. Que vous êtes là pour créer votre vie. Ouais. Retrouvez de la légèreté. Retrouvez de la légèreté dans votre vie. Parce que là, vous êtes en train de vous enfermer tout seul, en fait. Ouais, vous avez du mal à y croire, hein. Je vous rappelle que les énergies, elles sont interchangeables. Hein. D'accord? Enfin, oui, parce que je dis vous. Je ne sais pas pourquoi je... Non. Le masculin ou l'homme, en fonction, a du mal à y croire. Mais c'est quelqu'un qui a le cœur qui bat. Hein. C'est quelqu'un qui culpabilise beaucoup. Mais tout à l'heure, on avait les synchronicités. Vous voyez, là, on a guidé. C'est quelqu'un... De toute façon, quoi qu'il arrive, votre relation, elle est guidée. Donc, autant lâcher le steak et voir un peu ce que ça donne. Ouais. L'envie de se barrer en courant quand même. Hein. Se dire, non, non, j'ai peur, j'ai la trouille. Mais il y a beaucoup de bonheur qui arrive. Il y a beaucoup de bonheur qui arrive. Mais la personne, elle est encore dans la souffrance. Hein. Elle est encore dans la souffrance et elle a peur que ça ne fonctionne pas. Donc, elle manque un peu de courage. Enfin, elle manque un peu de courage. Bizarrement, j'ai quelqu'un qui bouge. Hein. J'ai quelqu'un qui bouge. J'ai quelqu'un qui se met un coup de pied au cul quand même. Hein.
Ouais, j'ai quelqu'un qui se met un coup de pied au cul quand même. J'ai l'impression que les énergies, elles se sont complètement, elles ont complètement fusionné là. Je suis un peu paumée, je ne sais plus à qui je parle. Bon. Allez, on va voir avec le petit oracle des âmes amoureuses. Ouais, bah, on va peut-être pas tout virer là. Alors, je rêve de toi, envie de te voir, construire avec toi. Excuse-moi, je suis désolée, je vais te donner des explications, partager ma vie avec toi et je n'ose pas. Bon, c'est un peu la vibration que j'ai. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre parce que je vous ai dit, je me suis... ça a fusionné là, il y a un moment, moi je ne sais plus à qui je parle. Mais on vous dit que si c'est vous ou si c'est l'autre, ça ne change rien. On vous dit que y a une empreinte qui est faite par l'un et l'autre, sur l'un et l'autre, d'accord ? Je pense que vous avez le même effet l'un et l'autre sur l'un sur l'autre. Je ne sais pas très clair ce que je raconte, mais bon, vous m'avez suivi. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui a envie d'avancer ou vous avez envie d'avancer avec cette personne malgré les blocages qu'il y a pour le moment, mais qui sont purement de la culpabilité et de la peur, en fait. Et vous savez très bien qu'à terme, ça va bouger, ça. Donc, c'est quelqu'un qui s'excuse de voir un peu comment cette personne, elle agit et tout ça. Et en fait, c'est quelqu'un qui n'ose pas, qui a peur, hein, vraiment, hein. Qui a... En fait, vous attendez des explications, mais cette personne, elle a du mal à vous en donner. Ça va venir. Mais pour le moment, elle a un peu de mal. Ça n'empêche que c'est quelqu'un qui vous visualise, c'est quelqu'un qui a envie d'avancer avec vous, c'est quelqu'un qui a envie de vous voir, c'est quelqu'un qui s'imagine partager sa vie avec vous. Alors attention, quand je vous dis ça, c'est au vu du schéma, c'est-à-dire quand même quelqu'un qui est très flippé, qui est dans la culpabilité, qui a eu une séparation qui l'a marqué a priori, hein, de ce que je vois, vous attendez pas à ce que cette personne elle vous dise « Ok, on se met en ménage demain, quoi. » On n'en est pas du tout là. Mais c'est quand même quelqu'un qui peut se projeter avec vous. Et rien que d'y penser, c'est déjà bien. Parce que quand même, il y a eu... Ou c'est vous, hein, qui avez été pas mal secoué. En fait, vous vous retrouvez avec cette personne... En face de vous, vous avez envie, mais vous avez la trouille. D'accord. Je suis désolée, c'est le bordel dans votre guidance, les scorpions. Je ne sais plus à qui je parle. Si je vous parle à vous, si je parle à l'autre, je ne sais plus. Ça me l'a fait sur les balances et tout, il y a quelques temps, mais c'est un peu ça, quoi. Donc, je vous rappelle, les énergies sont interchangeables, d'accord. Il faut que ça résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Mais moi, c'est vraiment cette chose-là que je sens. Après beaucoup de douleurs, de blessures et surtout actuellement avec beaucoup de culpabilité et de peur, mais on vous dit qu'il y a un équilibre qui va se retrouver et que de toute façon cette relation elle est guidée et que de toute façon vous allez vous apporter énormément, qu'il y a beaucoup de pas qui sont faits. Allez, avec le Golden Precision, qu'est-ce qu'on vous dit? On va voir un petit peu si on a des petites choses. On vous parle du mois de mai, on vous parle de la lettre G, on vous parle du 0, de la lettre S. On vous parle du 6 ou du 9, on vous parle du signe de la Vierge, du Capricorne. Est-ce qu'on vous dit autre chose? Alors, le M ou le W? Voilà, apparemment c'est comme le 6, il est sorti plutôt 6 que 9, mais... Après avoir des fois... Parce qu'en fait, le M et le W sont pareils. Le 6 et le 9 aussi. Donc, c'est pas toujours évident. Alors, on parle du H. On parle du 1. Mois de janvier. Hop là, hop là. Bon, on vous reparle du scorpion. Là aussi, c'est assez rigolo. Vous êtes encore indécis. Sur les 7 signes que je viens de faire, je dois avoir au moins 5 fois le signe qui sort. C'est assez drôle. La balance, le gémeaux, le R, le E et le 3. Bon, ben, on a quand même beaucoup d'infos pour vous, donc on va peut-être se calmer là. Hein. Mais voilà. Alors, donc, je vous disais, on avait donc le mois de mai, le mois de janvier. Je ne sais pas si on voit les cartes, là, si je mets comme ça. Ouais, si, on les voit. Ok, super. Donc, on a le 1, 3, 0, 6 ou 9. Dans les signes, hop là, pardon, je vais y arriver. Dans les signes, on a le scorpion, le capricorne, la balance et la vierge. Donc, on vous parle très fort des signes de terre, mais en même temps, avec le mois de mai, qui est le signe du taureau, ça ne m'étonne pas. Et on vous parle donc de votre signe, on vous parle d'un signe d'air aussi, possiblement, avec la balance et le gémeaux que je n'avais pas vu. Voilà. Encore une fois, tout ça, ce sont des indications, d'accord. C'est pas parce que vous ne vous appelez pas Sarah que ça ne fonctionne pas, hein, d'accord. Voilà.
Donc voilà. Et dans les lettres, on a donc le G, le S, le M ou le W, le R, le E et le H. Et ben voilà, écoutez, on est pas mal, hein, je trouve. Pour les chiffres, ça peut être date de naissance, ça peut être mois de naissance. Donc on a le mois de janvier avec le 1 par exemple. On peut avoir le mois de juin, on peut avoir le mois de mars, on peut avoir le mois d'octobre. On peut aussi avoir bah, tout ce qui dit 16, 13, 10, 30, 63. Enfin voilà, après vous faites à votre sauce. Et ça peut être aussi votre chemin de vie. Chemin de vie 1, 3 ou 6 ou 9. Voilà. Est-ce qu'on a autre chose? Ben non. Eh bien, c'est déjà pas mal, mes petits amis scorpions. Bon, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un retour si ça vous tente. N'hésitez pas à me contacter pour une guidance privée. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et je vous souhaite une magnifique journée. Et keep cool and love! Mon bébé, dis-le moi. Au fond de toi, je sens le calme avant la tempête. Prise dans son coin, reste dans le tour de. Mon frère, au fond, je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, ouais, ne pas t'oublier. Tu me donnes souvent les coups, bah j'ai pas eu le temps de te dire. Qu'avec toi seul, j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence, c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens, c'est impossible pour moi de.